Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la pêche. Je suis là pour vous donner une petite astuce supplémentaire. Comment réussir son snipe ou comment faire profiter ses amis de ses games en les invitant à jouer avec nous sur des parties où faut cliquer à un moment bien précis avec un décompte. On va créer un décompte via le chatbot de Streamlab. Voilà, on va y aller. Je vais vous expliquer ça. Vous allez voir, c'est une simplicité. Une fois qu'on a compris, on se dit ben bah oui, pourquoi je n'y ai pas pensé En même temps, on va continuer pour faire une macro de ce snipe pour éviter de taper dans le chat point d'exclamation snipe ou point d'exclamation go. Enfin, voilà à votre convenance. Après, vous pourrez euh, l'agrémenter de son. Vous pourrez l'agrémenter aussi en sachant qu'attention, les sons auront un décalage par rapport au chat. Donc, bien prévoir son décalage dans le son hein, et euh, mettre des petits émoticônes, des choses comme ça. Allez, les amis, on se retrouve tout de suite sur la scène. Voilà, donc là on se retrouve sur le lien que vous allez retrouver en dessous. Et n'oubliez pas de follow la chaîne, vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas à me retrouver aussi sur Twitch. Je suis parfois sur YouTube aussi en direct pour des lives cuisine ou des lives d'émissions événementielles. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et surtout à activer les notifications, que ce soit pour Twitch ou pour YouTube. Donc voilà, là je suis sur le bot de discussion Streamlab. C'est celui que je trouve pour moi plus à mon goût et plus intuitif hein, quand on commence le streaming, voire même quand on continue. Hein. Donc vous retrouverez le lien en dessous. Une fois que vous avez téléchargé, hein, vous avez la possibilité de télécharger directement ici. Vous allez l'installer et vous allez vous retrouver sur cette brave bête. Donc là, comme on peut le voir, donc, euh, vous avez ici la connexion. Vous allez vous connecter ici directement le TwitchBot et le Twitch streamer pour avoir les droits sur le chatbot. Euh, surtout, alors si vous n'utilisez pas le bot vous n'êtes pas obligé, mais c'est quand même beaucoup plus pratique. Bon, voilà, donc là on a vu ce point là. Maintenant, comment faire un snipe? Mais rien de plus simple. Vous allez sur le quatrième onglet, commande. Là, vous avez déjà ma, ma propre commande de snipe hein, qui existe. Il vous suffit de faire en haut, à gauche, à droite, plus. Le snipe, vous l'appelez comme vous voulez, euh, par exemple point d'exclamation départ, mais vous pouvez très bien faire un tiret départ, un, ce que vous voulez. Hein, c'est juste le point d'exclamation qui est, on va dire, euh, le, le classique hein, au niveau euh, des chats. Ici, vous précisez bien que c'est le caster qui va faire le snipe, parce que sinon vous allez avoir des petits malins qui vont faire euh, point d'exclamation snipe euh, en plein milieu de votre live, alors qu'il n'y a pas de snipe et des gens vont Cliquer, alors qu'il ne faut pas cliquer. Donc on précise bien que c'est le caster. Vous pouvez, si vous le souhaitez euh, mettre une personne bien précise aussi, alors ça, il n'y a pas de souci. Ici, vous allez déterminer un peu plus bas l'action. L'action, on la retrouve ici. Donc je vais faire par exemple euh, 5, je vais à la ligne. 4, je vais à la ligne. 3, je vais à la ligne. 2, je vais à la ligne. 1, je vais à la ligne. Et 0. Voilà, vous avez la possibilité, la possibilité aussi de rajouter un son. Donc là, vous avez le son. Moi, j'ai plein de sons, donc je peux très bien mettre. Euh, euh, je ne sais pas, je peux mettre ce que vous voulez. Hein. On peut mettre. Euh, voilà, tac, par exemple, l'œil du tigre. Faites attention que votre son ne dépasse pas par rapport au snipe. Essayez de rester cohérent et prévoyez qu'il y a un décalage souvent sur vos lives entre le son, l'image et le chat. Une fois que c'est fait, je submit. Je sauvegarde, je me remets dans la console et je fais un test. Donc on va faire point d'exclamation départ. Et voilà. Rien de plus simple pour faire un snipe. Ah, surtout, 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 attention au son que vous mettez, parce que vous voyez là, ça déborde. Hein. Hein, ça déborde totalement, donc euh, prévoyez de le raccourcir un poil. Maintenant, c'est bien, j'ai mon snipe départ. OK. Hein, comme ça, euh, mes potes, quand je vais lancer la game, à zéro, ils pourront cliquer. Sachez qu'il y a très peu de décalage hein, sur les chats. Donc ça permet vraiment d'avoir tout le monde euh, sur la game si on le souhaite. Maintenant... Ici en haut, on a ce qu'on appelle les macros. Ça permet de pouvoir avoir en une touche, on clique dessus, voilà par exemple. One. Et vous pouvez l'agrémenter, vous voyez, hein, votre snipe de cœur, de ce que vous voulez. Donc la macro que l'on voit ici en haut, ça vous permet d'avoir juste une touche sans devoir écrire sur le chat et vous pouvez lancer votre snipe à n'importe quel moment. Pour cela, on revient à, excusez-moi, euh, ici, donc vous avez la roue crantée en bas à gauche. Vous descendez sur Macro, par exemple, là, Macro 1 que l'on retrouve en haut. J'ai marqué la commande. Je peux très bien marquer Macro 2 départ. Voilà, donc ça sera euh, le snipe que je viens de vous montrer. Hein, et on peut aller jusqu'à 7 macros. Voilà. Là c'est fait. Hop. Alors sachez que vous avez la possibilité aussi de voir les follow, les subs, donations, le hosting, les bits et les raids. Hein, là par exemple, centraid, euh, test alerte. Bon, j'ai fait un test alerte d'un raid qui m'arrive. Il n'est pas activé ici euh, proprement. Hein, mais euh, vous pouvez mettre un son, vous pouvez mettre ce que vous voulez hein, là-dessus. Hein. Donc là, maintenant j'ai fait ma macro. Ce que je vais faire par contre, je retourne sur ma commande, qui est commande départ, départ avec un D. Donc on va remonter, on va remonter un poil plus haut. Danger, alors, il faut remonter parce qu'il doit être dans le général. Ah, j'en ai, hein. j'en ai, j'en ai, j'en ai, ai des points d'exclamation. Alors est-ce que j'ai mon départ dans le coin Tac, 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 je regarde, il est où mon départ elle n'est pas là. Et dans le général, départ, 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 blague, brute, ça va, chez. Alors attention, beaucoup de sons parfois polluent le truc. Hein. Donc départ, voilà, j'ai mon départ. Je clique dessus. Il se met en surbrillance. Je monte en haut pour pouvoir le modifier. Et là, je vais juste supprimer la musique. Voilà, tac. Et là, je sauvegarde avec Submit. Et là, donc là, mon snipe est prêt. Mon. Top départ est prêt, donc on va revenir sur les macros un peu plus haut, macro 2. Voilà, départ, tout simplement. Voilà comment on réalise un snipe, mais en quoi En 2-3 secondes, on va dire allez, allez 15-20 secondes. Hein. Le plus long, ça va être de télécharger le, le je pense, le streambot, hein, le chatbot de Streamlab. Et euh, voilà. Voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié ce petit tuto. Je vais essayer d'en faire un peu plus souvent et surtout d'être meilleur sur les tutos. Ciao ciao les amis et au prochain tuto. Ciao.